10h passées, 10 minutes sur Radio Sainte-Baume en direct. La musique reviendra juste après. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc. Hein, on est à une heure de notre émission de Vous à moi, Madame le Maire. Oui. Et nous avons un invité qui est au bout du fil. Bonjour Xavier. Bonjour. Voilà, nous sommes bien sûr, comme vous le disiez, ma chère Laurence, en direct avec Monsieur Xavier Guillot, qui est le manager, donc qui est responsable du domaine Paul Ricard à Méjane. C'est à une trentaine de kilomètres de la belle ville d'Arles. C'est en pleine Camargue. C'est donc, il faut le dire, un dépaysement total. Monsieur Guillot, donc, est-ce que vous pourriez, comme vous le faites d'habitude, quand vous nous recevez avec tout le faste et l'amitié que sait faire donc votre domaine et vous-même, ainsi que bien sûr la famille Paul Ricard, qui, je tiens à vous le dire, depuis donc les années 40, 47, 48, 46, je crois, donc s'était occupé de ce domaine et de mettre en avant la Camargue. Pourriez-vous nous présenter votre domaine, monsieur? Oui, Paul Ricard est arrivé sur le domaine dans les années 39. Il a fait l'acquisition de ce domaine avec sa mère. Passionné d'environnement, il a investi sur le domaine et fait en sorte que les gens puissent venir sur la Camargue, parce que la Camargue est un milieu privé, les gens ne pouvaient pas rentrer en Camargue, et il a ouvert son domaine au public à travers une promenade à cheval, à travers un petit train qu'il a mis en place, à travers un parcours pédestre qu'on vient d'innover il y a 2 ans de ça, à travers 2 restaurants, une bergerie qu'il a aménagée en restaurant au cœur du domaine, et un petit restaurant qui se trouve en bordure de l'étang du Vacarès. Ah, il faut pas oublier aussi qu'il y a les arènes. Tout à fait, il y a des arènes où on organise toute l'année des spectacles camarguais, où on fait découvrir nos traditions, et au mois de juillet et août, tous les mercredis, le soir, à partir de 18h, il y aura une soirée découverte manade et les gens pourront venir sur le domaine et découvrir nos traditions et notre Camargue. Alors quand on parle d'arène, il faut aussi rappeler qu'il y a la course camarguaise aussi. Et est-ce que vous recevez aussi des raseteurs, monsieur Guillot? Oui, à travers les spectacles que l'on met en place, comme je vous disais, tous les mercredis, on reçoit des raseteurs et on fait voir nos traditions et les traditions camarguaises. La course camarguaise en fait partie. Alors il faut aussi rappeler qu'il y a l'élevage des taureaux, les taureaux et les chevaux, parce que le cheval camarguais, la race du cheval camarguais est aussi importante, parce qu'il est très solide, il est un peu plus bas donc sur pattes, mais il est donc aussi très musclé, compte tenu que tous ces chevaux galopent souvent dans des terres un petit peu meubles et dans l'eau, c'est cela. Oui, alors le cheval camargue est un cheval rustique, qui est élevé toute l'année en extérieur, mais c'est un super petit cheval, c'est un petit cheval avec un grand cœur. Aujourd'hui, on l'a fait évoluer, au niveau de sa taille, c'est des chevaux qui arrivent à 1m50, pardon. Et c'est un cheval que l'on trouve dans toutes les disciplines, que ce soit dans le CSO, dans le dressage, dans divers concours. Je vous dis, c'est un cheval qui a évolué depuis ces dernières années et que l'on retrouve sur pas mal de concours. Alors nous allons vite, pas vite, mais de suite un petit peu, rappeler ce domaine Paul Ricard à Méjane est ouvert dans la semaine ou que le week-end, il y a des horaires, il y a quelque chose de précis? Non, alors du mois de mars jusqu'au mois de novembre, il est ouvert tous les jours de 9h à 11h et de 13h à 17h pour les animations. Après tout le reste de la journée pour tout ce qui est restauration et réception. Et comme je vous disais, au mois de juillet-août, tous les mercredis à partir de 18h, on organise des animations découvertes manades et les gens peuvent se rendre sur le domaine et venir passer une soirée. Alors Laurence, qui bien sûr est à la régie ici même et qui est une fanade de photos, me demandait tout à l'heure, est-ce qu'on peut venir faire des reportages photos, comme on appelle ça un petit peu des safaris photos? Alors on peut venir faire des safaris photos, comme vous venez de me dire, parce que l'avantage qu'on a sur le domaine, on peut visiter le domaine en train, oui, à cheval, en VTT, à pied et en poney. Et le domaine fait 600 hectares et les différentes activités sont sur différents points du domaine. L'idéal pour prendre des photos, c'est de venir soit le matin, soit le soir, parce que l'été, il fait chaud et les animaux sont comme nous. Quand il fait chaud, ils se cachent et dès que la fraîcheur arrive, ils sortent.
à prendre des photos, il faut venir le matin ou le soir. Alors il faut quand même rappeler que c'est toujours la famille Ricard et Madame Michèle Ricard qui donc aussi anime cette, ce magnifique domaine. Et comme Paul Ricard est bien sûr la famille, il y a eu aussi un point d'orgue sur le travail de la riziculture. Car je, quand je parlais un petit peu des dates des années 48, 40, 56, c'est là aussi que, ou même pendant la guerre, on a été bien content que la riziculture marche. Et puis après, on a reçu aussi quelques amis italiens qui nous ont relancé la riziculture. Tout à fait. Paul Ricard était un des pionniers après la guerre pour relancer la riziculture avec un groupe d'amis. Ils ont relancé la riziculture en Camargue. Dans les années 80, quand la riziculture est tombée à 3000 hectares, c'est-à-dire au plus bas, avec mon père Pierre Guillot, ils ont relancé la riziculture, ils se sont servis du domaine pour créer le Centre français du riz. Ils ont même créé une association des riziculteurs européens, et à tous les deux, ils ont relancé la riziculture jusqu'aux années 90, où la riziculture est arrivée à 25 000 hectares, si je ne me trompe. Alors, il faut aussi rappeler qu'à une époque aussi, Arles était une bourse aux céréales et au riz. Hein. Il faut quand même le rappeler que Arles aussi a gardé, bien sûr, une place très importante sur la bourse du riz. Il faut aussi noter que le riz camarguais a une certaine spécificité et apprécié aussi des grands chefs. Oui, on a un riz qui est apprécié des grands chefs. Aujourd'hui, en Camargue, on arrive à produire tous les types de riz. On a des riz ronds pour les paella ou les risottos, on a des riz demi-longs, on a des riz longs, des extra-longs, et on a même des riz rouges, enfin des riz colorés, des riz noirs. Alors il faut quand même aussi rappeler, je l'ai vécu il y a quelques années, vous aviez lancé aussi, on ne va pas dire un raid, mais ni un pèlerinage, mais entre l'Espagne et Méjane. Oui, alors ça c'est Paco, le mari de Michel voilà. Ricard, exact. Qui a lancé ça il y a quelques années de ça. Il est parti d'Espagne avec son cheval et il est venu jusqu'à Méjane. Quand je dis d'Espagne, du sud de l'Espagne, exact. De Séville. Et l'année dernière et cette année, il y a des Camarguais, les calèches du Delta, qui ont fait ça, mais eux ils ont fait ça en deux étapes et en calèche, et à plusieurs d'ailleurs. Ils sont partis de Camargue l'année dernière, ils sont allés jusqu'au Delta de l'Èbre. Et cette année, ils sont partis du Delta de l'Èbre et ils sont allés jusqu'au parc de Doniana. Ils sont arrivés au mois de mai, pendant le Rossillon. Alors, il faut quand même le noter et le rappeler pour nos amis auditrices, auditeurs de Radio Sainte-Baume. Saint-Maximin, donc, n'est pas très loin, mais quand même, il faut faire quelques kilomètres pour venir vous voir. Il faut le noter, le domaine Paul Ricard est bien ouvert à tout le monde, n'est-ce pas? Vous allez nous rappeler, s'il vous plaît, les dates et les horaires auxquels on peut donc venir vous visiter, Monsieur Guillot? Alors, je disais, on peut venir nous visiter du mois de mars au mois de novembre. Les horaires, il n'y a pas de soucis, c'est de 9h à 17h. Au mois de juillet-août, tous les mercredis, nous avons des animations dans les arènes pour faire découvrir nos traditions et nos élevages à partir de 18h. Et on a un point d'orgue qui est le 22 et 23 voilà. juillet, où vous avez la feria du cheval. Voilà, c'est ce qui nous amène aussi. Voilà, comme vous me parliez tout à l'heure du cheval Camargue, le 22 juillet, c'est-à-dire le vendredi, on mettra le cheval Camargue à l'honneur à travers un concours modèles et allures organisé avec l'association des éleveurs de chevaux Camargue. Et le 23 juillet, il y aura la feria du cheval. À 10h avec le concours Les Étoiles de Méjane, c'est des jeunes qui viennent sur le site et qui viennent concourir pour des spectacles équestres. Et le soir, le meilleur numéro démarrera la corrida de région. Ensuite, cette année, on a innové avec un concours de voltige cosaque. Là, après, à 11h, il y aura une ferrade et une accosse des rives. À 14h, les spectacles continueront jusqu'à 17h dans les arènes, dans les bodegas et sur la place du domaine. Et à 18h, on a la corrida de région avec le numéro 1 qui est Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagène et Léa Vicin. Et ce jour-là, on met à l'honneur le Denis Colomb de Donat avec Crème Blanc. Denis Colomb, c'est lui qui avait créé ce fameux film Crème Blanc. Et il y aura une exposition, il y aura la projection du film Crème Blanc dans la grande salle du restaurant. Et on a un concours photo.
Et ce jour-là seront exposées les photos qui auront gagné notre concours photo qui est en place depuis 2 mois. Eh bien, c'est quand même, il faut le dire, un très beau programme, une joie de vivre et surtout retrouver un petit peu donc ce qu'on appelle le cœur de la Camargue, qui est, je vous le rappelle aussi, un endroit fabuleux où il faut, on n'a pas besoin de prendre des avions, de prendre donc des bateaux, aller n'importe où. On a de quoi, il faut le dire un petit peu, se désaltérer, de s'altérer de plaisir, de joie, et surtout que le Camarguais, la Camarguaise, hein, le peuple camarguais, quand même, c'est bien recevoir et jovial, hein. Tout à fait, on est juste à côté de chez vous, on est un petit paradis qui est pas très loin de chez vous et c'est dommage de pas venir le visiter. Les gens ont l'impression qu'on est très loin de Saint-Maximin, mais on est à côté, venez nous voir et venez découvrir la Camargue. Alors, une petite anecdote quand même, on parle de Saint-Maximin où il y a une basilique, mais vous avez pas très loin de chez vous aussi, Sainte-Marie-de-la-Mer, avec qui j'ai fait à une époque aussi un grand hommage. Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est à quelques kilomètres aussi, ce qui veut dire que si même on veut rester 1, 2 ou 3 jours dans la région, il y a de quoi faire pour vivre en plein pays camarguais. Eh bien, monsieur Guillot, je suis très heureux et nous sommes très heureux avec Laurence de vous avoir eu. On est presque déjà en train de mettre notre petite chemise les indiennes ou soleillades et mettre notre pantalon camarguais que l'on trouve bien sûr, parce que là aussi, vous avez aussi tout ce qu'on appelle un dressing room spécial. Vous avez un dress une tenue. On a une tenue spéciale pour les hommes, la tenue de gardien, voilà. Et pour les femmes, la tenue d'arlésienne. Et d'ailleurs, début juillet en Arles, vous avez les fêtes d'Arles et les passionnés de costumes, de traditions peuvent venir à Arles, c'est vraiment à voir. Voilà, et aussi, n'oublions pas aussi la bonne botte camarguaise qui est aussi très sympathique à porter. Eh bien, monsieur Guillot, je me ferai un plaisir et nous ferons un plaisir de venir vous rendre visite. Notre rédacteur en chef, monsieur Noël, aussi aura plaisir de prendre contact avec vous. Et nous avons été très heureux d'être en direct avec vous. Avec un peu de nostalgie, on aurait aimé le faire en direct à côté de vous, mais oui. Le cœur y est.